message cet après-midi. The title of our message this afternoon. Savourons la victoire en préparant et notre combat. Let's enjoy the victory by getting ready for another fight. Fêtons la victoire en préparant et notre combat. Celebrate the victory by getting ready for another fight. Nous allons lire la parole de Dieu avant de continuer. We're going to read the word of God. Si vous voulez vous mettre debout. If you can all stand up. La parole de Dieu se trouve dans Néhémie chapitre 1 verset 4. The word of God is in the book of Nehemiah, chapter 1, verse 4. Alléluia. Chapitre 1, verset 4 de Néhémie. Chapter 1, verse 4. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la situation que Néhémie a connue. Est-ce que vous voudriez vous donner une main d'acclamation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Alléluia. Néhémie. Nehemiah. Exactement comme nous. Like us. Lorsque le Seigneur a dit entrez dans le jeûne et prier. When the Lord said, let's start the fast and pray. Humiliez-vous. Humble yourselves. Criez. And cry to God. Hurlez. Cry. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et je vais répondre. And I will answer. Revenez à moi. Come back to me. Je viendrai à vous. And I'll come back to you. Vous serez mon père. You'll be my people. Et je serai encore votre. And I'll be again your God. C'est la parole que nous avons reçue avant d'entrer dans le jeûne. This is the word that we received before we started our fast and prayer. Et le titre du message c'était reviens. And the title of our message was come back. Et lorsque nous avons entendu la parole de Dieu. And after hearing the word of God. Et lorsque nous avons entendu le désir de Dieu. And after hearing the heart of God. Nous sommes revenus. We came back. Alléluia. Nous Amen. Avons fait 3 jours. And we did 3 days. Alléluia. Amen. Vendredi, nous avons clôturé ce jeûne. And on Friday, we finished that fast. Je ne sais pas vous décrire ce qui s'est passé ici. I can't describe to you what happened here. La salle ici était occupée. The sanctuary here was busy. Nous on est descendu ici en bas. And we went down in the basement. Mais ce qui s'est passé pendant quelques heures c'était extraordinaire. But what happened during those few hours was extraordinary. Toutes les personnes qui étaient présentes. And everyone who was present. Peut vous raconter ce qui s'est passé. Can tell you what happened. Je me suis étonné. I was surprised. J'ai crié au Seigneur, Seigneur. And I cried to God and say, Lord. Tu es grand. You are mighty. Tu es grand. You are mighty. Tu es grand. You are mighty. Tu es grand. Et tous ces gens qui sont en train de s'incliner devant toi, en train de chanter la gloire de Dieu, c'est ton peuple. And all these people who are crying to you, singing your praises, it's your people. Le peuple a compris. And the people understood. Alléluia. Amen. Ce que nous avons vu ici. What we saw here. Ce que Néhémie a fait. And what Néhémie did. J'ai vu le peuple de Dieu vendredi en train de faire cela. I saw the people of God on Friday doing that. Et cela m'a montré ce qu'ils ont fait pendant les 3 jours parce qu'on ne se voyait pas. And that showed me what they did during those 3 days because we're not together. Lorsqu'on revient à Dieu, when we come back to God, Dieu fait des miracles. God does Amen. Miracles. Dieu crée quelque chose de nouveau en nous. God creates something new in us. Vendredi, je voyais quelque chose de nouveau. Alléluia. On Friday, I saw something new. Je voyais que les cœurs ont été déchirés. I saw that hearts were just broken in front of God. Et que Dieu est en train de réparer le cœur. And that God Amen. Was repairing. Alléluia. Amen. Au moment où j'ai vu le peuple de Dieu. And at the moment when I saw the people of God. C'est à ce moment que Dieu commençait à réparer le cœur brisé. And he was healing those hearts. Et il prenait le morceau, il le jetait sur l'autre et ainsi de suite. And he was putting together pieces. La gloire de Dieu était ici. And the glory of God was La gloire here. Était ici vendredi. The glory of Amen. God was present. Et il est encore là. Et il est encore là. And he's still Est-ce here. Que vous voudriez vous donner encore une main d'acclamation? Yeah,
from God. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé comme illustration. I chose as an illustration. Quelque chose que nous avons fait tous. Something that we all did. Un exemple que chacun de nous ou chacun de nous a passé sauf le plus jeune. An example of something that we all went through except the younger ones. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons terminé l'école primaire. When we finished the la plupart d'entre nous ont déjà terminé l'école primaire. C'est sûr et certain. Many here already finished their elementary school. Nous avons fêté le certificat de 6 ans d'études primaires. Est-ce que vous vous en souvenez? And do you remember how we celebrate finishing those 6 years? C'était une joie. It was a joyful moment. C'était un succès. It was a success. J'ai terminé mes 6 ans primaires. When I finished my 6 years of elementary school. C'était une fête à la maison. It was a party at home. C'était une fête en famille. It was a party in the family. C'était un succès pour l'enfant. It's a success for a kid. Alléluia. Amen. Mais tout en fêtant. But while enjoying or celebrating. Nous savions que après les grandes vacances. We knew that after the summer vacation. Nous allions commencer la bataille du secondaire. We were going to start at the high school. Chacun de nous se demandait à quoi ressemble la matière de l'école secondaire. And each of us may have asked himself how does high school look like? Un changement radical. A radical change. Un nouveau combat. A new fight. Voir un professeur donner cours et puis il sort et notre honte. And that to see a teacher coming and giving him his course and leaving and someone else coming. Nous n'étions pas habitués à ça. We're not accustomed to that. Mais c'était un combat pour nous. But it was a fight for us. Et le professeur dit allez lire les livres dans telle bibliothèque. And the teacher would send us to go read books in a certain library. Nous, il n'y avait pas assez de bibliothèques en Afrique. For us, we didn't have many libraries. Il y avait la bibliothèque de l'école. There was only one library for us. Et on s'est limité aux livres qui se trouvaient à la bibliothèque. And we were limited to the books that were in that library. Mais on devait aller chercher les livres. But we had to go and find those books. Qui correspondaient avec la matière qu'on était en train. That would help us. Et on nous demandait d'aller consulter telle carte. And they will ask us to go and look for a map. Map du monde. And the map, the of the world. On l'appelait map monde. Alléluia. We used to call it world map. La carte qui représentait le monde entier. It was a map that was representing the whole world. Allez voir la carte de l'Afrique. And they will ask us to go and see the map of Africa. Allez voir la carte du Burundi. Go and see the map of Burundi. Allez voir la carte du Rwanda. Go see the map of Rwanda. Allez voir la carte de Uganda. The map of Uganda. Allez voir la carte du Congo. The map of Congo. Pour connaître ce pays-là, parce qu'il s'agit de la géographie ou de l'histoire. And they will ask us to know those countries because it was part of our courses. C'était un autre combat qu'on devait faire. It was another fight that we had to fight. Voici comment la plupart d'entre nous, d'ailleurs tout le monde, comment nous avons commencé l'école secondaire. Un nouveau combat. And I think that's what we all went through when we started high school, a new fight. Hallelujah. Amen. La préoccupation. Preoccupation. Et l'intérêt que Néhémie porte à son peuple. And the interest that Nehemiah had for his people. Et à la ville de Jérusalem. And to the city of Jerusalem. Sont importants. Were important. Hallelujah. Amen. Pourquoi c'est important? Why? Néhémie, c'est un homme qui est né en exil. Nehemiah was born in exile. Alléluia. Amen. Je me souviens lorsque ma famille et nous étions encore en exil donc pendant 34 ans, 40 ans. I know how it was when my family and I were in exile for 30 years. Il y a des enfants qui sont nés dans cet exil. And some child who were born in that situation.
Like we talk to them about Rwanda. Ils ne le connaissaient pas. They didn't know. Ils écoutaient avec attention. And they will listen with the. They will listen to us. À quoi ressemble ce Rwanda? How Rwanda look like? Alléluia. Mais il y a ceux qui ont appris à aimer ce pays des ancêtres. And there's some people who learn to love that country. C'était le cas de Néhémie. And it was the same situation with Nehemiah. Il a aimé le pays d'Israël. He loved Israel. Il a aimé la ville de Jérusalem. He loved the city of Jerusalem. Alors qu'il n'avait jamais mis son pied là-bas. Even though he didn't see that. Il demandait comment c'était cette ville avant. He will ask how was that city before. Alléluia. Amen. Mais lorsque son cousin partait, lorsqu'il est venu pour raconter, voici ce qui se passe à Jérusalem. But when his cousin came and told him how Jerusalem was doing. La parole de Dieu nous dit qu'il a pleuré. The word of God says that he cried. La parole de Dieu nous dit qu'il a crié. The word of God says that he screamed. Et il a demandé pardon pour son peuple. And he asked for forgiveness and to God for his people. Parce qu'il savait que Dieu avait envoyé en exil ce peuple à cause du péché. Because he knew that God had sent them in exile because of sin. Et qu'il devait demander pardon. And that he had to ask for forgiveness. Alléluia. Amen. Et en plus de ça, on top of that, cet homme avait un très bon emploi. That man had a good job. Un bon travail. A good job. Il travaillait chez le roi. He was working at the king in the king palace. Il travaillait chez l'empereur. He was working for the empire. Il était certainement bien payé. For sure, he was well paid. Et ça. L'entrée ou le problème qui se passe au pays, ce n'était pas son problème. And what was going on back home was not supposed to be his problem. Mais il est attaché à son pays. But he was attached to his people. Il est attaché à son pays. He was attached to his people. Dans sa prière, on voit. In his prayer, we can see. On voit son attachement à son pays. We can see his attachment. Sa prière témoigne à la fois sa profonde solidarité avec son pays. His prayer can testify about his profound attachment to his people. Parce qu'on avait dit, ton peuple est en détresse. Because they told him, your people is in despair. Ton peuple est humilié. Your people is being humiliated, and he was touched. Oh, éternel mon Dieu. Oh, eternal my God. Viens au secours de mon peuple. Come to the rescue of my people. Qui d'entre nous a déjà prié pour son peuple de cette manière? Who among us had already prayed that prayer? Nous sommes au Canada, mais lorsqu'on te dit ce qui se passe dans notre pays, tu te mets à genoux, tu cries à l'Éternel. We are in Canada, but when they tell you about what's going on back home, you have to kneel down and cry to God. Oh Seigneur. Oh Lord. Rends-nous. Fais que mon pays puisse devenir comme il était avant, même plus que ça. Restore our country and make it better than it was before. Esdras avait amené le peuple déjà qui était en exil, il les avait amenés en premier lieu. Esdras had bring people that were in exile and saved them in the first place. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, when they got there, ils ont construit le temple. They built the temple. Ils ont réparé le temple. They restored the temple. Mais ils n'étaient pas capables de continuer à construire même le miracle. And they were not able to finish even some walls. Et les portes des murailles. And the doors of the walls. Et ils n'étaient pas capables de faire sortir les gens de misère. And they were not able to help people to come out of misery. Ceux qui n'étaient pas partis en exil. Those who stayed in Jerusalem. Ils étaient malheureux. They were sad.
ils étaient écrasés par le voisin. And they were being humiliated by the neighbors. Et lorsque Néhémie a appris ça, il a pleuré. And when Nehemiah heard about that, he cried. Ce n'est plus mon peuple. This is not my people. Mon peuple qui était fier de leur Dieu. My people was proud of their God. Est tombé au niveau le plus bas. And now they're really down. Voilà là où le péché peut nous faire tomber. Nous devenons nuls. And this is how sin can bring us down, and we become nothing. Mais cet homme, but this man, il avait aussi confiance à la bonté de l'Éternel. He also trusted in the goodness of God. Il savait que s'il priait et qu'il s'humiliait, Dieu allait répondre à sa prière. He knew that if he humbled himself and cried to God, God was going to answer his prayer. Mais il n'oubliait pas la souveraineté de Dieu. But he didn't forget about the sovereignty of God. Dieu est juste. God is just. Dieu est bon. God is good. Les deux doivent aller ensemble. And the two has to go together. Parfois, lorsque nous demandons à la bonté de Dieu, mais nous oublions que Dieu est souverain. Il peut te répondre ou il peut te faire attendre. Sometimes we call upon His mercy and goodness, but we forget that He's sovereign and He can choose to answer you right away or not. Dieu n'a pas répondu. God didn't answer. Il sait quand est-ce qu'il doit répondre. He knows when to answer. Il va te répondre, mais à son temps. He will answer you, but in his timing. Nous devons régler nos montres au temps de Dieu. We have to fix our watches to the time of God. Probablement, il ne va même pas répondre à la manière dont il veut. Il répondra à sa manière. Probably, he may not answer the way you want him to do, and will answer his way. Hallelujah. Amen. Il est souverain. He is sovereign. Il est souverain. He is sovereign. And coming back to God. When he came back to God. Et qui a crié, and cried. Et qui a prié, and prayed. Et qui a gêné, and fast. La parole de Dieu nous dit que nous avons gêné 3 jours, mais lui dit j'ai gêné. We fasted for 3 days, but here said that Nehemiah fasted for. Je priais constamment. Devant, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. And he says that he fasted and prayed before God constantly. On ne précise pas combien de jours il a jeûné. The Bible doesn't say how many days precisely he prayed. Plusieurs jours. Many days. Plusieurs jours. Many days. Il est tombé aux pieds du Seigneur en disant Seigneur. He humbled himself in front of God and said, Lord, fais quelque chose pour mon do something for my people. Fais quelque chose pour la ville où ton nom est inscrit. Do something for the city in which your name is written. Hallelujah. Amen. And he said, he asked God, touch the heart of the king. Que lorsque j'irai lui demander de la permission de rester mon travail, mon entraînement, et que j'aille à Jérusalem, qu'il puisse accepter. And that when I ask him to give me time to go to Jerusalem, that he may agree and let me go. Parce que ce n'était pas évident que le roi allait accepter sa demande. Because it was not for sure that the king was going to agree with his request. Et sans l'autorisation du roi, il ne pouvait pas se déplacer. And without the authorization of the king, he could not move. Il ne pouvait pas intervenir et venir au secours de son peuple. He could not go to the rescue of his people. Il ne pouvait pas intervenir et venir au secours de la ville de Jérusalem. He could not go to the rescue of the city of Jerusalem. Tout dépendait du roi païen. Everything was depending on the king, even though he was a pagan. C'est pourquoi il a prié pour ce roi païen. And that's why he prayed for that pagan king. Incline le cœur de ce roi. Touch the heart of that king. Pour qu'il dise oui. So that he may say yes and authorize me. Hallelujah. Amen. Et lorsqu'il a terminé, and when he finished, il est allé s'adresser au roi. He went to see the king. Pendant qu'il se préparait, and while he was getting ready, il cherchait la stratégie pour rencontrer le roi. He was looking for a strategy to go in front of the king.
certainement qu'il passait par le protocole pour pouvoir avoir l'audience auprès du roi. But for sure he went through the protocols so in order for him to have time with the king. Ce que j'ai oublié de vous dire. What I forgot to mention to you. Pendant la prière. While he was praying. Pendant le jeûne et prière. While he was fasting and praying. Hallelujah. Amen. Il avait obtenu les armes pour affronter le roi. He was equipped with armors to face the king. Il n'avait plus peur. He was no longer afraid. Il n'était plus timide. He was no longer shy. Il était déterminé à affronter le roi. He was determined to meet with the king. Pour affronter le roi. To face the king. Pour lui demander l'autorisation. To ask him for authorization. D'aller construire les murailles de Jérusalem. And to go and build the walls of Jerusalem. Non seulement construire les murailles. Not only to build those walls. Il devait avoir une lettre de recommandation de la part du roi. He needed a recommendation letter from the king. Pour qu'il doit amener auprès des autorités locales. So that he'll bring it to the local authorities. C'est facile d'aller vers les autorités. Je viens de la part de l'empereur. It's easy to go in front of authorities and say I'm coming on behalf of the emperor. Qu'est-ce qui montre que tu viens de l'empereur? What shows that you are coming from him? On pouvait lui faire du mal. They could hurt him. Parce qu'il n'avait aucun signe. Because he had nothing. Il he would have nothing. Et c'est ainsi qu'il a demandé une lettre d'autorisation. And that's why he asked for a letter of authorization. Lorsque nous avons jeûné. When we fast. Lorsque nous avons prié. And we pray. Notre Dieu renouvelle notre intelligence. God renew our intelligence. Alléluia. Amen. Pour savoir ce que nous devons faire. So that we know what we should do. Ceci est certain que notre intelligence a été renouvelée. It's for sure that our minds and intelligence were renewed during our time of fasting. Comme il avait renouvelé l'intelligence de Néhémie. As he did for Nehemiah. Alléluia. Amen. Pensez à demander l'autorisation, mais aussi avoir des lettres de recommandation. So Nehemiah thought about asking the authorization and also getting the letter. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il a obtenu et la permission. So the king granted him the authorization et les lettres nécessaires. And all the letters that he needed. Comme dans le jeûne et prière d'Esther. Like in the fasting and prayer of Esther. Hallelujah. Amen. J'établis les parallélisme entre la prière d'Esther et la prière de Néhémie. So here I'm comparing the prayer of Esther and the prayer of Nehemiah. Tous les deux devaient avoir le roi. Both of them needed to see the king. Pour que leur problème soit résolu. So that the problem will be resolved. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pour des sujets différents, l'un devait aller construire, l'autre devait intervenir pour qu'on ne puisse pas massacrer les juifs. And they had two different subjects. One was to go back and build the walls, and the other was to save her people. Nous remarquons que lorsque Dieu nous conduit dans le jeûne, we notice that when God leads us into fasting and prayer, nous entrons dans le jeûne, and we enter in fast and pour prayer, obtenir l'autorité, to obtain the authority, pour obtenir la puissance, to obtain the power, d'affronter et de faire céder l'ennemi, to face the enemy and conquer him. Hallelujah. Amen. Nous avons lorsque nous sortons de jeûne et prière, and when we finish our fast and praying, nous avons l'autorité sur quoi que ce soit. We have authority on anything. Amen. Sur l'ennemi. On the enemy. Nous avons la puissance. We have the power. D'obliger l'ennemi à céder, partir. To order the enemy to leave. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de quelle force que vous avez après le jeûne et prière? Do you realize what kind of power you have after fasting and praying? Ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Those are things we have to take seriously.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi. Us too. Bien-aimés de Dieu. Beloved of God. Nous venons d'obtenir l'autorisation. We obtained the authorization. Nous venons d'obtenir l'autorité. We obtained the authority. D'aller récupérer nos biens volés par l'ennemi. To go and rescue or get back what the enemy has stolen from us. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? What did the enemy stole from us? Quelque chose de toi que l'ennemi a volé. What things that the enemy stole? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller récupérer. Tu vas récupérer quoi? It's not a matter of just going, but what are you going for? Il faut établir une liste de ce que tu dois récupérer. So you have to establish a list of everything that you have to get back from the enemy. Alléluia. Amen. Esther avait établi la liste. Esther had a list. Néhémie avait établi la liste. And Nehemiah had also a list. Est-ce que toi tu as établi la liste? Do you have a list? Si, ce n'est pas encore tard. It's not late. Devant notre Dieu, ça n'a jamais été arrêté. And in front of God, it's never too late. Établir la liste et regarder tout ce que l'ennemi a volé pour aller réclamer. So establish your list and everything that the enemy stole from you. Et aller ordonner à l'ennemi de rendre. And give the order to the enemy to give you those things back. Immédiatement. Immediately. Sans tarder. With no delay. Alléluia. Amen. Voici l'autorité que nous avons sur l'ennemi. This is the authority that we have over the enemy. Et la parole de Dieu nous dit qu'il doit céder. And the word of God has said that he has to doit stop or answer or let go. Que l'ennemi doit se soumettre. And he has to submit. Que l'ennemi doit obéir à nos ordres. And that the enemy has to obey our orders. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la puissance. Because we have the power. Parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Because we have the power of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons obtenu l'autorisation de récupérer nos biens volés par l'ennemi. We've obtained the authorization to get back what the enemy has stolen from us. Et aussi. And also, nous avons eu la force. We receive the strength, nous the power, the authority, nous avons la puissance, the power, d'aller chercher les brebis, to go after the sheep, d'aller chercher les brebis, sheep, alléluia, les brebis de notre Seigneur, the sheep of our Lord, les brebis de notre Seigneur, nous devons les réclamer et les ramener à Jésus Christ. We have to bring them back to Jesus Christ. Et les ramener dans la bergerie. And to bring them back home. Avec la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Nous sommes incapables de le faire de nous-mêmes. We are unable to do it by our own, by ourselves. Lorsque tu iras chercher les brebis. When you go after those lost sheep. Interdit d'utiliser ton intelligence. You're not allowed to use your own intelligence. Tu dois utiliser la puissance du Seigneur qui t'a donné. You have to use the power that the Lord gave you. Et si tu ne connais pas. And if you don't know. Dis au Saint-Esprit quelle puissance, comment je dois, quelle est la stratégie, quelle est la méthode. Ask the Holy Spirit, what should I do, what's the strategy, which way you want me to go. Nous devons savoir. We have to know. Nous devons savoir. We have to know. Que nous rencontrerons des embûches. That we will face obstacles. Des difficultés. Difficulties. Des barrières. Barriers. Alléluia. Amen. Ne dis pas parce que il n'y a pas de barrières, je peux marcher comme je veux. Don't say this because I fasted, so there's no barriers, so I will just walk the way I want. Nous avons un ennemi fort. We have an enemy that's strong. Nous avons un ennemi qui ne se laisse pas faire. The enemy that doesn't just let it go. Si nous ne sommes pas convaincus que nous sommes bien armés que lui. If we don't really believe that we're well equipped or more equipped than him. Il va nous montrer que nous n'avons rien. He will show us that we have nothing. Le tout est la conviction que nous avons. It's not a matter of the conviction that you have. Le tout est la détermination que nous avons dans notre cœur. It's all a matter of what kind of determination
determination that you have in your heart. Le tout est la décision que nous avons prise. It all matters what kind of decision you took. Ne craignons pas. Let's not be afraid. Combattons en sachant que la victoire est de notre côté. Let's fight knowing that the victory is on our side. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire. Our Lord Jesus Christ gave us a victory. Nous combattons en sachant que nous avons la victoire. We fight while knowing that we have the victory. Rappelons-nous. Let's remember. Quand revenant à Dieu. That by going back to God. Lorsque Dieu a dit, revenez à moi. When the Lord told us, come back to me. Il nous a promis d'être avec nous. He promised to be with us. D'ailleurs, ce terme, c'est le terme de l'année pour glorifier. And that term is a term of this year for Glory Church. Dieu est avec nous. God Amen. Is with us. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez dans les combats que vous avez menés au cours de cette année, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui au mois d'octobre, est-ce que vous vous rappelez que Dieu est avec nous? Do you remember that in all the fights that you went through this whole year, did you remember that God was with you? Alléluia. Amen. Nous devons appliquer la parole de Dieu dans notre vie. We have Amen. To apply the word of God in our lives. Lorsque nous n'appliquons pas la parole de Dieu dans notre vie, when we don't apply His word in our lives, l'ennemi lui connaît la parole de Dieu plus que nous. The enemy knows the word of God more than us. Et il connaît la valeur de la parole de Dieu. And he knows the value of the word of God. Il va te la voler. He will steal that from you. Il va la prendre dans ton cœur. He will steal that from you. Tu seras comme quelqu'un qui n'a pas jeûné prié. And you'll be like somebody who never fasted or prayed. Nous devons combattre. We have to fight. Nous devons être convaincus de ce que nous sommes. We have to be convinced of who we are. Savez-vous que vous êtes des princes du royaume de Dieu? Do you know that you are princes of the kingdom of God? Un prince ne cède pas. A prince never gives up. Un prince fait céder. But a prince make others give up. But he never give up in front of the enemy. Hallelujah. Savourons la victoire en préparant un autre combat. Let's enjoy victory by getting ready for another fight. Hallelujah. Amen. Lorsque Néhémie est parti, il a dit tout ce qu'il fallait. When Nehemiah left, he had everything that he needed. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est parti à Jérusalem, when he went to Jerusalem, il avait l'autorisation de s'en sortir du travail. He had the authorization to be absent in the work. Recommandation. He had his letter of recommendation. Tout était en ordre. Everything was in order. Mais il a trouvé des difficultés sur le terrain. But he faces some difficulties on the field. Pour en prendre connaissance, prenons Néhémie chapitre 2, verset 19 à 20. Let's read in Nehemiah chapter 2, verse 19 and 20. Les ennemis du peuple d'Israël, nous allons lire ça. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoué Ammonite, et Geshem, l'Arabe, la pire, ils se moquèrent de nous et veulent nous dire d'un ton méprisant. Qui êtes-vous en train de faire? Voulez-vous vous révolter contre l'empereur? Mais je leur répondis, écoutez la parole de quelqu'un qui est sûr de lui. Écoutez la parole de celui hear, qui boule. Hear the words of somebody who knows who he is. Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem. Et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Alléluia. Il trouve des ennemis sur le terrain. So he found enemies on the field. Il aurait pu être bavard pour leur dire, mais moi,
je viens, j'ai l'autorisation de l'empereur, j'ai même des lettres de recommandation auprès des autorités. D'où est-ce que vous venez? He could have told them, oh, I have the letters of authorization, I'm coming on behalf of the emperor. Who are you? L'autorisation du roi. The authorization of the king. Les lettres de recommandation. The recommendations. N'était qu'une formalité. Were just a formality. Alléluia. Amen. Néhémie comptait sur son Dieu. Was only counting on his God, and that's what he said. Alléluia. Amen. Il n'a plus mentionné ni lettre de recommandation. He stopped mentioning about the letters of recommendations. Ni l'autorisation du roi. Or the authorization he got from the king. Alléluia. Amen. Vous remarquez, il ne mentionne pas cela dans ses réponses. You can notice that he never mentioned that in his answers. Il parle plutôt de son Dieu. But he talked about his God. Parce que Dieu est au-dessus de l'empereur. Because God is above the empire. Alléluia. The emperor. Et les autres, lorsqu'ils ont entendu, and the others, when they heard, ils se sont inclinés. They humbled themselves. Les ennemis du peuple d'Israël. The enemies of the people of Israel. Voient dans l'arrivée de Néhémie à Jérusalem une menace. So in Nehemiah an obstacle. Menace à leur commerce. An obstacle to their business. A threat. Menace à leurs entreprises païennes. A threat to their pagan doings. Parce que l'Éternel, lorsqu'il viendra et qu'il va s'imposer de nouveau, ces gens-là ne vont plus faire n'importe quoi. Because they knew that if God come back in the city and reign, they could not do whatever they want anymore. C'est pourquoi ils essayent de se mettre ensemble. So that's why they tried to go together. Pour décourager l'action noble de Néhémie. To discourage Nehemiah in him. Nous aussi. Us too. Nous avons une action noble que nous devons mener. We have a noble action to do. À savoir ramener les brebis perdues de notre. Which is to bring back those lost souls. Ils veulent organiser. They want to organize. Ils veulent construire la ville de. He wanted to organize and rebuild the city of Jerusalem. La ville de Jérusalem. The city of Jerusalem. Hallelujah. Amen. Et il veut aussi. And he wants to. Organiser le peuple de Dieu. Organize the people of God. Tomber dans le découragement et dans l'humiliation. The people of God who fell into discouragement and humiliation. Hallelujah. Amen. Il a un travail, il a une tâche difficile. He had a hard task. Mais il n'a pas peur. But he was not afraid. Il sait qu'il est avec son Dieu. He knew that he was with God. Il est comme David lorsqu'il se trouvait devant Goliath. He was like David when he was facing Goliath. David n'ayant pas l'armure. David didn't have any armor like the other soldiers. David ne sachant pas comment manier l'arc et les flèches. And he didn't know how to fight like the other soldiers. David n'ayant pas une lance, not having a sword, mais il avait placé sa confiance à l'Éternel. Amen. He placed his trust in God. Néhémie aussi Nehemiah a placé sa confiance. Had also placed his trust nous in God. Nous aussi nous avons placé notre confiance we à l'Éternel. Have also placed our trust in the Lord. Après notre jeûne et prière de 3 jours, after our fast and praying of 3 days, nous devons rester armés. We have to remain armed pour un combat éventuel. For any fight. Malheur à celui qui va s'attaquer à nous. Curse or war onto whoever will stand against us. Vous comme moi, nous devons savoir que nous sommes équipés. Amen. You like me, we have to know that we are equipped. Même si nous ne voyons pas la mitraillette dans nos mains. Even though we don't see the gun in our hands. Nous avons les armes du chrétien. We have the Christian armor. Que le Saint-Esprit a distribué à chaque de nous. That the Holy Spirit gave to each and every one. Restons éveillés. Let's remain awake. Et vêtus d'autorité. And covered by authority.
l'autorité que Christ donne à ceux qui sont à son service. The authority that Jesus Christ gives to those who are in his authority. Et également avoir la puissance. And also to have the power. Avec laquelle le Saint-Esprit nous équipe. With which the Holy Spirit equips us. Pour tenir tête. To stand and face and push the enemy away at all times. At all times. At all times. Nous n'avons pas jeûné pour un certain temps. We didn't fast for just a short time. Nous avons jeûné pour que nous puissions être capables de mettre l'ennemi dehors en tout temps. We fasted and prayed because we want to push the enemy away at all times. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais cela nous demande de nous organiser. But that asks us to be organized. Hallelujah. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes organisé? People of God, are you organized? Est-ce que vous avez demandé à Dieu pendant que je ne prière de lui demander comment vous organiser? Did you ask the Lord how you should be organized? Dieu nous dit. God tells us. Je vous ai donné aussi l'intelligence pour savoir comment vous organiser. I give you also the intelligence to know how to organize yourself. Il y a un moment donné que nous devons utiliser notre cerveau pour nous organiser. Sometimes we have to use our brain to organize ourselves. Tout ce que Dieu nous a donné, everything that God gives us, doit servir pour sa gloire. Have to be used for His glory. Doit servir pour sa gloire. Have to serve for His glory. Hallelujah. Amen. Lisons Néhémie chapitre 4 verset 11 à 12. Let's read Nehemiah chapter 4 verse 11 and 12. Nous allons voir comment cet homme s'est organisé. We're going to see how this man was organized. Il est venu pour construire. He came to build the walls. Mais il y a un ennemi sur le terrain. And there is an enemy on the et field. Et il doit s'organiser pour que l'ennemi sache qu'il n'est pas n'importe qui. And he had to be organized so that the enemy will know that he's just he's not a nobody. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille. Et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'était ce qu'il bâtissait. Et l'homme se tenait à mes côtés pour prêt à sonner du corps, prêt à sonner la trompette. Alléluia. Voici les dispositions prises par cet homme de Dieu. Here's are the what how Nehemiah was organized. Alléluia. Cet homme de Dieu. This man of God. Cet homme de Dieu. This man of God. Il use son intelligence. Used his intelligence. Lorsque tu fais un pas. When you make a step. L'Esprit de Dieu vient renouveler ton intelligence. The Spirit of God comes and renew your mind. Amen. So that you will think about anything that's necessary. Alléluia. Amen. Même lorsqu'il jouit de la faveur du roi, la faveur de l'empereur. Even though he had the favor of the king, of the emperor. Il ne dort pas sur tes oreilles. He didn't sleep on his both ears. Alléluia. Dormir de ce côté, tu te tournes de l'autre. Non, tu dois veiller. Then turn the other. You know, you have to stay awake. Hallelujah. Il est vigilant. He was vigilant. Tout en travaillant. While working. Il est armé. He was equipped. Armé d'une main et l'autre à l'ouvrage. Armed with one hand and while the other is building. Hallelujah. Was building. Les flèches, the sword, la lance, the sword, la main gauche et la main left hand, and the right hand was building. Il faut le faire. You have to do it. Il faut y penser. You have to think about that. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as des armes. You too, you have tu armors of a Christian. Et tu dois les tenir de main gauche. You have to take them on the left hand. Et l'autre main doit tenir les pamphlets pour aller amener les gens au Seigneur. And the other hand Alléluia. Has to take the fight. Si jamais tu rencontres l'ennemi sur le terrain. If you meet the enemy on the road. Tu mets le pamphlet à côté. You put the pamphlet on the side and you fight. Tire sur l'ennemi. You fight. Nos flèches c'est la parole de Dieu. Our Amen. Alléluia. Amen.
Nous tirons la parole sur la personne. Word of God. Et la personne sera balancée. And that person will be shaken. Là où tu tires la parole de Dieu, la personne n'a plus de force, il perd l'équilibre. When you hit with the word of God, the other person can stand firm. Quant à l'autorité, And about the authority. Et puissance. And power. Pour soumettre l'ennemi. To dominate on the enemy. Et nous sera donné sur le terrain. Will be given to us on the terrain. Ce n'est pas dans ta maison que tu vas voir la puissance. It's not in your home that you will see the power. Pour faire quoi? To do what? Ce n'est pas dans ta maison que tu vas voir l'autorité. It's not in your house that you will use the you have the authority. Pour faire quoi? To do what? C'est sur le terrain. It's on the field, battlefield. That you need the authority. Faites un pas. Make a step. Faites un pas vers l'ennemi. Make a step towards the enemy. Faites un pas vers l'évangélisation. Make a step towards the evangelism. Lorsque tu trouves un malade sur le terrain. When you find a sick on your road. Tu te dis. You said to yourself, je suis en mission de mon Seigneur Jésus-Christ. I'm on a mission of my Lord. Et j'ai dans la main, je prie sur la personne que je trouve sur le terrain d'évangélisation. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ que je suis en train de servir. And I stretch my hand on that sick person and be healed in the name of Jesus. Tu vas être étonné que la personne va être en train. You'll be amazed that that person will be healed. Tu vas prier pour quelqu'un qui est mort. You'll pray for somebody who's. Il va ressusciter parce que tu es en service. Il est commandé par Jésus. Resurrect because you are doing Jesus' business. Tu es sur le terrain, tu as la force. On the battlefield, you have the strength. Sur le terrain, tu as la puissance. On the battlefield, you have power. Et il faut utiliser ces deux éléments pour pouvoir réussir ta mission. And you have to use those two in order for you to succeed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons tout simplement un pas de foi. Let's simply make a step of faith. Et la suite, l'Esprit de Christ s'en occupe. And the rest, the Spirit of Christ will take care of it. Alléluia. Amen. Nous allons terminer. I'm going to conclude. Savourons la victoire en préparant un autre combat. Let's enjoy the victory while preparing for another fight. Rappelons-nous d'Esther. Let's remember about Esther. J'aime cette femme. I really love that woman. C'était une femme courageuse. She was a courageous woman. Quoique son mari ne venait pas le voir, ça faisait probablement des mois et des mois. Even though his husband had spent so many months not coming to her. Il était perdu chez ses concubines. He was lost in his concubine. Il avait une centaine. He had hundreds. Et il devait aller à gauche, à droite. He had to go left and right. Alléluia. Amen. Mais lorsque Esther, après avoir jeûné, Esther, after fasting, après avoir prié le Dieu du ciel, and prayed the God of heaven, il s'est dit, ce mari, c'est ma partie. He said, that man belongs to me. Les autres, ce sont des voleurs. The others are just thieves. Je vais d'abord réclamer ce qui m'appartient. I'm going to Alléluia. Get back what belongs to me. Il a mis ses beaux habits de la reine. And she put on her dresses. Alléluia. Queen. Alléluia. Amen. Les servantes se sont occupées des cheveux pendant toute la nuit et pendant toute la journée. Her servants took care of her hair during the whole day and whole night. Elle s'est fait belle. And she made herself beautiful. Alléluia. Amen. Je disais à la vieillesse, les femmes, mettez-vous des habits. Soyez propres pour accueillir vos maris. I was telling the ladies in the overnight to be ready and to look nice to receive their husbands. Ton mari vient du travail, tu viens avec les cheveux en désordre, tu viens avec les mampas comme ça. Non! Your husband comes from work. Il faut que tu mettes ton parfait. You have to be nice. Look nice. C'est ça que Esther a fait. This is what Esther did. Et lorsque le roi l'a vu, le roi qui est son mari, and when the king saw her, alléluia, il était assis. He was seated. Il a dit, mais je n'ai jamais vu cette femme comme ça. He said, I've never seen that woman like this. Alléluia. Amen. Sa tête était bouleversée.
His head was shaking. Devant sa propre femme. Was shaken in front of his own wife. Je n'ai jamais découvert la bonté, la beauté de cette femme chaque fois que nous vivons. Mais maintenant, de loin, je vois. I've never seen how beautiful she is. Alléluia. Il a oublié la loi qui empêchait la femme de retrouver là où il se trouve. He forgot about the law that forbidden the wife to come in front of the king when he said it. Lorsque tu es bien habillé, when you are well dressed, lorsque tu te prépares, and you get yourself ready, lorsque le mari vient et dit waouh, and the husband comes back, he says, c'est dit jamais vu. This never c'est dit jamais vu. I've never seen that. Est-ce que tu sais que tu es extraordinaire, que tu es la plus belle des femmes? Do you know that you are extraordinary and then that you are the most beautiful woman? Parce que tu t'es préparé. Because you got yourself ready. Parce que tu t'es préparé. Because you prepared yourself. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent, les femmes peuvent être abandonnées à cause de manque de préparation, à cause de langage. Soigne ton langage. Sometimes women can men can leave their women, Mettez les bons habits, non pas attendre que vous alliez au mariage pour mettre les bons habits, mais les bons habits pour ton mari. Don't wait, put on your nice dress and don't wait when you have to wait to put les bons habits pour ton mari. The bell, la fête, nice dress for your husband and the party will say about it after. Alléluia. Alléluia. Un changement. A change. Esther a su s'y prendre. Esther had knew how to handle it. Amen. Et lorsque le roi, son mari, l'a vu, and when the king saw her, il a changé la loi. He changed the law. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi est abrégée. Alléluia. The law. Esther, la loi concernant que personne ne doit me trouver ici, j'abrège ça. Esther, the law that was forbidding you to come in front of me when I'm sitting on the throne, alléluia, is put aside. Parce que tu es extraordinaire. Because you are extraordinary. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, even though you would ask me the half of my kingdom, tu l'as déjà. You have it. Tu l'as déjà. You have it. Il n'a pas encore fait sortir un mot. She hadn't said a word yet. Tout lui est accordé. And everything was given to her. Alléluia. Amen. Les hommes sont comme des bébés. Men are like babies. Alléluia. Il faut les éduquer. Il faut savoir comment les prendre. You have to educate them and know how to take them. Alléluia. Alléluia. L'empereur nous d'Esther, son jeûne de 3 jours, ne lui a pas accordé la victoire. Remember, Esther, her fast of 3 days did not give her the victory. Mais, but, son jeûne a renouvelé son intelligence. Her fast and praying renewed her mind. Comment je peux amener mon mari à être à ma faveur? How can I bring my husband to agree with me, to be in my favor? Quelle stratégie que je dois prendre? What kind of strategy should I take? Quelle méthode que je dois prendre? What kind of methods quel should I use? Que je dois mettre? What kind of clothes should I quel wear? Quelle coiffure que je dois what avoir? What kind of Alléluia. Hair. Il a obtenu dans le jeûne et prière la force. She received in her fasting the strength. Il a obtenu le courage. She obtained the courage. Il a obtenu la détermination. The determination. Il a obtenu l'autorité. The authority. Il a obtenu la puissance. And the power. Ce n'est plus le roi qui dirigeait, c'était Esther qui dirigeait. It was no longer the king that was reigning, it was Esther. D'affronter le roi son mari. And she was able to face the le king. Le mari n'a plus de force. Le mari n'a plus d'autorité. Tout est remis dans les mains d'Esther. And everything was put into her hands. En dépit de la loi qui ne lui a pas autorisé. Alléluia. Even though the law was for il y a la loi, mais la loi ne compte plus. The law was there, but the law was not
taken seriously. No longer was no longer in force. Quand nous avons jeûné et prié. When we fasted and prayed. Dieu suscite de nouvelles stratégies. God brings up new strategies. De nouvelles méthodes. New methods. Pour désarmer l'ennemi. In order for conquer the enemy. C'est ça que c'est. Amen. La lettre de tuer les Juifs avait été signée par le même empereur. The letter to kill the Jews was signed by the same king. Il doit amener le roi à changer l'ordonnance. She had to bring the king to change the letter. À dire ce que j'ai signé. To say what I signed, Hallelujah. Lorsque tu es bien habillé, lorsque tu t'es préparé, l'homme change. Amen. When you are well dressed and prepared, the man change. Hallelujah. Hallelujah. Désarmer l'ennemi. To unarm the enemy. Et le pousser dehors. And push him away outside. L'amener là où toi tu veux. And to bring him where you want. Et non pas là où il veut. Not where he wants. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir travailler pour Dieu dans le calme et la tranquillité. So that you can walk for God in calm and peace. Esther devait sauver le peuple de Dieu. Esther had to save the people of God. La décision avait déjà prise, c'était à quelques jours. And this decision was already made, only a few days were left. Déjà le premier ministre avait déjà dressé des piquets à côté de sa maison pour peindre son oncle. And already the prime minister had prepared the woods on which he was going to hang her uncle. Et tout cela, Esther était au courant. And all that, Esther was aware. J'y vais, s'il faut mourir, je mourrai. I'm going, if I have to die, I'll die. Il y a un moment où on prend la décision. There's sometimes where we take the decision. Mais on ne prend pas la décision maladroitement, en se fâchant, en se révoltant, en disant des paroles, mais avec une stratégie qui vient du Saint-Esprit. We don't make decisions in frustration or... in anger, but while being led by the Spirit of God. Néhémie aussi. By being led by Nehemiah also. Après avoir jeûné, il attendait pour que le roi puisse lui accorder l'audience. After fasting, he was just waiting for the king to give him to see him. Est-ce que je dois passer le chef du par le chef du protocole? Should I go through the by the chief of protocols, or should I go another way to see the king? Est-ce que je dois passer par la reine? Should I go through the queen? Il ne savait pas encore. He didn't know. Mais quoi qu'il en soit, je vais au travail. No matter what, I'm going to do my job. Pendant l'exercice de ses fonctions. While he was doing his job. Hallelujah. Amen. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Dieu a parlé. God spoke. C'est maintenant ou jamais. It's now or never. Je vais ordonner à ce roi de t'accorder l'audience. I'm going to order that that king to see you. Seigneur, ce n'est pas vrai. God is not possible. Ici, il n'y a pas d'audience. Le roi doit Here, manger, le roi doit boire. Il est avec la reine. Je ne veux pas interrompre le roi en train de causer avec la reine. And this is not the right timing. He's speaking with the queen. Alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. There's nothing Amen. That is impossible Amen. To God. Le roi le regarde et dit, pourquoi tu as mauvaise mine? So the king looked at him and said, why are you so sad? Why are you like that? Pourquoi tu sembles malade alors que tu n'es pas malade? Why do you look sick even though you're not? Normalement, il devait ordonner pour qu'on l'amène en prison parce qu'il avait fait des choses qui n'existaient pas devant le roi. Normally, he was supposed to be thrown into jail because that was not allowed in front of the king. Le roi lui donne l'occasion de s'exprimer. But the king gave him the occasion to talk, to express himself. Que le roi vive, voyez comment je souffre, j'ai une nouvelle, il raconte. So he sent me a long life to the king, but I heard some bad news from back home.
And he told him the whole story. La réponse du roi, c'est pour dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? And the answer of the king was, what do you want me to do? Alléluia. Il dit que tu puisses me permettre que j'aille à Jérusalem, que j'aille dans le Juda pour aller voir ce qui se passe là. I would like you to let me go and see what's going on over there. Le roi n'a pas dit tu exagères. The king didn't say you are exaggerating. Demande à tes frères qui ne travaillent pas chez moi qu'ils aillent le faire. Ask your brothers that don't work for me and go and see. You could have said that. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. But that's not what he said. Ça va durer combien de temps? He asked him how many days do you need? L'autre a répondu. And the other answered. Alors, tu peux partir. He said, oh, you can go. Alléluia. Amen. Je partirai que le roi m'accorde encore la grâce de lui dire quelque chose. Il me faut des lettres de recommandation. And say, okay, I'll go, but I'll need letters of a recommendation. Pour que les autorités locales me facilitent là-bas lorsque je serai sur le terrain. So that local authorities can Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'avait pas préparé l'audience à ce moment-là, mais l'Esprit de Dieu lui dit tout ce qu'il lui faut, ce qui est nécessaire. Nehemiah didn't know that he was going to see the king right away, but the Spirit of God gave him the words of what he was supposed to ask for. Il n'a pas perdu la tête pour dire, mais qu'est-ce que je vais dire au roi? Well, he didn't lose his mind trying to figure out what am I going to say to the king. Parce qu'il avait préparé d'avance ce qu'il va demander. Because he already knew what he wanted. Qu'est-ce que tu veux demander à ton Dieu aujourd'hui? What do you want to ask your God to? Tu as le diable auprès de Dieu. Where is your list? Où est-ce que tu as préparé? What did you prepare? Où se trouve ta aide-mémoire pour dire à ton Dieu sans dire. Alléluia. Where is your list? Dis quelque chose à Dieu. Tell something to God. Prépare-toi avant de rencontrer Dieu. Prepare yourself before meeting God. Et de lui dire ce qui te fait mal. And tell him what's hurting you. Néhémie immédiatement a répondu. Nehemiah immediately answered. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a tout reçu. He had received everything. Alléluia. Amen. Alors que c'était pas l'exercice de ses fonctions. Even though he was at the job, he was working. Le roi, au lieu de lui reprocher de son attitude, the king, instead of reproaching him of his attitude, de son comportement, or his manners, il lui donne l'occasion de s'exprimer. He gave him the occasion to express himself. Nous aussi. For us too. Soyons attentifs. Let's be vigilant. Comme Néhémie. Like Nehemiah. À ce que le Seigneur va nous montrer. To what the Lord is going to show us. À ce que le Seigneur va nous dire. To what the Lord is going to tell us. Pour commencer l'évangélisation. And to, for us to start the evangelization. Pour commencer à récupérer ce qui l'ennemi a volé. And to get back what the enemy has stolen from us. Dieu va te donner une stratégie. God will give you a strategy. Dieu va te donner une méthode. God will give you a method. Dieu va créer quelque chose de nouveau dans ton cœur. God will create something new in your heart. L'Esprit de Dieu va mettre des paroles sur ta bouche pour que tu ne puisses pas dire n'importe quoi, mais que tu dises ce qui va plaire à Dieu. The Spirit of God will put the right words in your mouth so you won't say just anything but what comes from God. Le Seigneur. May the Lord bless you.